Bonjour à tous ceux qui me suivent. Aujourd'hui, attendez, laissez-moi réfléchir. Aujourd'hui, il me semble qu'on est le mercredi 9 décembre. Une fois n'est pas coutume, voilà, je suis parti sous la pluie. Quand je dis pluie, c'est vraiment, j'ai à peine les épaules humides, j'ai mis aucun kawaii. Donc je vais continuer à marcher. J'ai prévu de marcher 30 km le long des côtes. Je devrais vous donner des images normalement superbes. Voilà. Donc je suis parti de là-bas. Donc ça fait quand même, ouais, ça commence à faire quelques kilomètres. Mais bon, ça va. C'est un plaisir. Les côtes des déchiquetées. Les côtes jolies. Le petit navire en pierre au milieu. Je ne sais pas si vous voyez quelques paddleman. Et tout seul, ils étaient quatre à passer, il n'y en a qu'un qui revient. Bon, il y en a trois qui se sont noyés, c'est pas grave. Au loin là-bas, au loin le soleil. Et sur les terres, par là, c'est pas. Ouais, c'est pas. Mais bon, je sens que tout va se lever. Je suis parti marcher, donc tout va se lever. Et je vais finir sous le soleil, avec des endroits normalement assez sympathiques. Toujours sur le chemin des falaises, au hasard de mes pas, le trou du diable, c'est moi qui l'appelle comme ça, c'est assez profond, et c'est joli. Il y a des barrières tout autour, mais bon, Gilles, les barrières, c'est pas pour lui. Bon, on n'y éternise pas, on ne sait jamais. Le morceau de rocher sur lequel je suis se détache. Je serais bien embêté pour remonter de ce trou. Ouais, la marche est haute, ouais, 42 mètres. Ouais, la marche est haute. Du bord de la falaise, c'est grand. Dios. Ah, franchement, elles sont réputées dans le monde, ces falaises, mais maintenant je commence à comprendre pourquoi. Tout à fait. Bon, toujours pas sous le soleil a décidé de rester sur l'océan. Non, mais je vais quand même l'appeler pour qu'il vienne, c'est quand même mieux avec le soleil. Une de des très nombreuses criques accessibles uniquement à la nage ou par bateau. Impossible à descendre. Hein, pourtant il y a des pas. Donc d'où vous venez, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Quelques pas avec moi. Ce chemin de crête au bout des falaises. Ah, il manque mon copain le soleil. Ah, c'est dommage. Regardez ça. Regardez comme c'est magnifique. Ah. Je vous laisse, on m'appelle. Il ne manque que le soleil pour encore plus apprécier ce décor. On ne voit pas la mer.
a failli me mouiller les pieds. Attention, ça arrive. Ah, putain. Il a mauvais temps loin, mercredi. Je vais me tremper pour revenir. Bon, voilà. J'ai ma piscine perso dans la roche. Et bien, on se croirait presque sur la lune, mais c'est pas possible. Avec des grottes sous le pied de la falaise. Cela nous mène au ah mais là ah d'accord ah non je crois que c'était bien plus loin moi. Oh, la marche est un peu haute mais voilà, j'ai entendu les gens crier. Nous ne sommes pas ici. Bon, je m'attendais à ce que ce soit plus, mais bon, c'est propre. Voilà, ça mène pas loin. Bon, prochaine fois ça mènera peut-être plus loin. Ah mais non, c'est bouché, donc ça n'a rien à part. Bon, mais pour aujourd'hui, c'est pas mal. Superbe. Et ce qui m'arrive pleine face, c'est pas superbe du tout. J'ai plus de presque 15 km. À pied pour revenir, et bien je vais le passer sous la pluie. Voilà, quelques images de pluie. Voilà, ça m'arrive sur la tête. Je vais sortir le kawé. Et bien, comme je suis en short, les jambes vont se rafraîchir. Ça tombe bien. Petit souci, c'est que j'ai presque 15 bornes à faire à pied. Aïe 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 aïe, c'est pas joli. Bon, tant pis. Je prendrai ma douche comme ça.